Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Roll and Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de faire une petite campagne de jeu de rôle sur la campagne Oblivion, écrite par Pat et Chris qui nous ont gentiment permis, on les remercie encore, d'utiliser leur texte afin de les jouer devant vous à l'écran. Avant de commencer, j'aimerais que l'on fasse, comme d'habitude, les remerciements. Je dois remercier toujours Sirenscape, le logiciel de mise en musique de partie, qui nous permet d'utiliser toutes ces ambiances et toute sa base de données de musique et de son afin de mettre en ambiance sonorement ces vidéos. Je voudrais remercier aussi Dalmic Dungeons qui nous permettent d'utiliser leur battle map animée. Vous l'avez vu la dernière fois, c'était la battle map du vaisseau volant, de la gondolfière qu'ils avaient créée et qu'on a pu utiliser devant vos yeux. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Abonnez-vous. Partagez, surtout partagez, c'est le seul moyen de faire connaître l'émission. Partagez encore et encore, même à Mamie Odette et à Tata Josiane. Partagez. Et puis si vous n'aimez pas, eh bien passez votre chemin. Et sur ce, le résumé de la session précédente, à tout à l'heure. Nous sommes montés sur le palais de Lonkernos, la gondolfière. Il nous a fait beaucoup de révélations, notamment que nous étions tous des enfants d'Oblivion et que l'écorcheuse voulait détruire le monde. Il nous a révélé aussi qu'il existait une clé qu'il nous fallait chercher, qui était composée de différents artefacts, qu'il avait trouvé une matrice. À la suite de quoi, nous avons été attaqués, une trahison du baron Blême et du duc. Le combat a dégénéré, Akmar a explosé, il s'est transformé en démon et il a tué Lonkernos. Nous avons réussi à nous enfuir de justesse grâce aux hippogriffes. Nous avons atterri. Très bien. Nous reprenons la partie exactement là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Vous avez subi un échec cuisant. Akmar, désormais, n'est plus avec nous. Vous êtes sur le bord de la falaise. En contrebas, la gondolfière de l'arpenteur des vents est brisée en mille morceaux au fond du ravin, en train de brûler. Vous êtes seul, accompagné juste de vos hippogriffes, de Malator, de Valkyn, de Ravi, qui sont avec vous. Tu viens de récupérer l'étole d'Akmar. Et tu es face à ce soleil qui finit de se coucher sur les plateaux rouges et qui va bientôt disparaître derrière les montagnes. Comment vas-tu, Urzuas ? Je suis désolé, mon ami. Je reste un long moment, je réponds pas. Je continue à regarder l'horizon, à être un peu perdu dans mes pensées, et puis je viens un peu comme ça serrer l'écharpe qui se balance un peu dans le vent. Et je me retourne vers eux. Mes amis,
Mon cœur est brisé. Mais ne soyons pas tristes. Car Akmar est là. En vous. En moi. Il n'est pas temps de verser des larmes. Il est temps de reprendre la route. Cette route que nous avons commencée ensemble. Cette route où je continuerai de marcher à vos côtés. Cette route qui m'éloigne de plus en plus de ma belle province d'Eiren. Cette route qui m'éloigne de plus en plus de mon beau village de Caillé que je ne reverrai pas. Cette route qui fait que je ne retournerai jamais m'asseoir au pied de mon châtaignier géant. Je vous promets que nous trouverons les réponses. Je vous promets que nous exigerons les réponses. Mais il y a une chose que je ne peux vous promettre, c'est d'être encore le même. Avec Akmar, une part de mon âme s'en est allée. Ce qu'Akmar avait tenté d'enfouir en moi est en train de ressurgir. Et désormais, une seule chose m'anime. Un désir que je n'avais encore jamais éprouvé. La vengeance. Et ce désir est associé au nom de la créature qui l'a engendré. Cette créature issue des ténèbres. Cette créature qu'avec vous, je retrouverai et que je tuerai. Et là, du coup, je lève la main comme ça et je prononce Kania Umdan Akmar. Et en fait, du coup, j'ai ces quatre lumières qui sortent de ma main, qui viennent danser comme ça autour de vous, puis qui repassent vers moi. Et d'un geste comme ça, j'arrache l'étole qui est autour de mon cou, les lumières qui dansent autour d'elle, et je laisse partir l'étole avec le vent au bord de la falaise. Malator pose sa main sur ton épaule. Le soleil se couche. Il est temps que nous rentrions maintenant. Nous avons encore du chemin pour retourner à Ikar. Nous aurons tout le temps de faire notre deuil. Et il prend Valkyne. Il commence à descendre le sentier qui vous ramènera en fait vers le lieu de la sentence des voix, qui est un petit peu en contrebas. Je me tourne et je passe devant chacun de mes camarades, en la tête baissée, sans forcément les regarder, sans attendre un mot, sans voilà. Et je commence à suivre Malator. Moi, je vais... Pour l'instant, je dis rien à... Ozias. Je le regarde passer. Voilà. Je garde mes émotions pour moi, je le regarde passer. Et juste avant de prendre la suite, ou en tout cas de m'engager, je ne sais pas dans quel ordre, on va y aller. Je regarde quand même la gondolfière de Lunkarnos en contrebas. Et elle est à combien de distance? Ouf, c'est... C'est assez très profond. C'est très profond. C'est très profond. Ok.
Bon, je regardais ça parce que mon trident est en bas. Ouais. Donc, mais étant donné que j'ai récupéré l'épée d'obsidienne, je fais demi-tour et je m'apprête à m'engager sur le chemin. Peut-être que je vais fermer la marche. Si Malator est devant, moi je vais fermer la marche. Mais j'invite les autres à prendre le chemin s'ils veulent. Fais-moi un test de perception, toi. 9 + 2, 11. Vous êtes en train de... Vous commencez à redescendre, du coup. Et au moment où vous allez pour quitter le bord de la falaise, perçoit un peu plus loin quelque chose qui brille, reflet métallique, vers un arbre, un vieil arbre mort. Du coup, tout le monde est en train de marcher. Ouais, vous êtes sur le point de... Ouais. Du coup, je stoppe la marche et je leur dis de regarder. Regardez là-bas. Il y a quelque chose qui brille, vous voyez ? Effectivement, elle montre un espèce de grand arbre. Il y a un reflet métallique. C'est un peu dur de dire ce que c'est parce qu'il y a des rochers devant, etc. Mais il y a une espèce de reflet. Le soleil rougeoyant finit de se refléter dans le métal avant de disparaître derrière les montagnes. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour qu'on aille voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si, allons voir. Je t'accompagne si tu veux. Moi, je dégaine mon épée et je vais... Attendez, réfléchissons. On vient de vivre quelque chose de très compliqué, vous êtes sûr ? Et qu'est-ce que tu as repéré, Darknas ? T'as vu ce truc qui brille, mais c'est quelque chose que tu connais ou c'est juste quelque chose qui a attiré ton regard ? C'est juste quelque chose qui a attiré mon regard et juste une intuition, je sais pas ce que c'est. Si ça brille, c'est que c'est pas naturel. Ça a pas l'air d'être d'ici, vu l'environnement. Ça pourrait être une pierre, oui, cela dit, dans un arbre, oui. Allons voir. Ben, si ça brille, ça peut être intéressant. Je vous propose quand même de rester à distance. Moi, je sors mon épée et on y va. Allons voir. Ok. Moi, je me tiens prête aussi. Voilà, je me positionne derrière Malator et puis je ne dis toujours rien, mais je suis là. Je reste à côté de... Je marche à côté de Ilzar. Et pareil, j'ai dégainé ma rapière. Malator... lui, du coup, continue à nous accompagner là-dedans ou est-ce qu'il est descendu ? Non, pour l'instant, il continue à vous accompagner. Il est là avec nous, hein, donc c'est pour ça que... Ok, d'accord. Donc je reste voilà, derrière. Tout à fait. J'ai mon épée. Ouais. Je m'approche un petit peu. Que s'ouvre l'œil sacré d'Elmir. Et j'ouvre mon sens divin pour savoir s'il y a quelque chose autour de l'arbre, sur l'arbre. Voilà. Rien du tout. Pour l'instant, l'arbre, vous envoyez en fait le haut. Si tu veux, il y a toujours cette excroissance rocheuse qui cache le gros de l'arbre, mais rien de ni de démoniaque, ni de mort-vivant, rien. Les amis, la voie semble libre, et en tout cas sûre. Allons voir de plus près. Très bien. Continue à s'approcher. Vous passez l'excroissance rocheuse et en fait, quand vous arrivez devant c'est un arbre qui a l'air mort depuis longtemps, qui a certainement déjà été foudroyé, tu vois planté dans l'arbre une javeline extrêmement brillante. On dirait la javeline que Baron Blême t'a lancée. Du coup, je m'approche, mais en demandant à mes coéquipiers d'être juste derrière, au cas où. Je propose que je m'approche. Est-ce que vous pouvez me seconder ? Bien sûr. Bien sûr. On dirait une des javelines de Baron Blême. Attention, Darkna, elle pourrait être empoisonnée. Mais... ça pourrait faire une belle arme de vengeance. C'est planté haut dans l'arbre ? C'est planté à 1m50, 1m60. Tu peux la récupérer, Lézard. Toi qui es immunisé contre la maladie, tu veux pas la récupérer ? Techniquement, je suis pas encore tout à fait immunisé contre la maladie, mais...
Prends Mais je sens que ça arrive. Je sens que ça vient. Je rengaine l'épée et je m'approche de l'arbre. Je la saisis en faisant attention de pas me blesser avec, si jamais elle était empoisonnée. Je la saisis et je la sors de l'arbre. La javeline, le contact de la javeline est extrêmement froid, presque glacial, même légèrement électrique. Tu sais, comme quand on prend du métal et qu'on se prend une petite pêche. Ouais. Ah, c'est exactement ça, c'est l'électricité statique qui te prend la main, mais tu la sors. Une javeline bien équilibrée, bien faite, gravée de symboles magiques tout du long. Du coup, moi, je m'approche et je regarde le symbole magique. Parce que ça fait quelque chose. C'est une série, c'est une espèce de phrase. Ça te dit rien de plus que ça, mais clairement, c'est un objet qui a été enchanté. Moi, je m'approche de la javeline, je la regarde de plus près. En tout cas, c'est de belles factures. Moi, je fais le tour de l'arbre, voir si je vois rien d'autre, s'il n'y aurait pas autre chose. Non, elle s'est juste plantée dans l'arbre. D'accord. Darkna, parlons peu, parlons bien. C'est la javeline de Baron Blême. Est-ce que tu veux la prendre dans ton équipement? Ouais, je vais la garder, ouais. Elle est à toi. Fais-en bon usage. Merci. Du coup, je la récupère. Et je te laisse. Yes. Du coup, je la garde pour l'instant dans les mains. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a le droit à une petite lecture, description de... Plus tard. Chaque chose en son temps, quand elle l'utilisera. Reprenons la route, mes amis. Oui, reprenons la route. Vous reprenez la route, vous descendez le chemin donc jusqu'à ce grand plateau de pierre sur lequel vous avez passé la première épreuve de la sentence des voix. Fangoria vous attend. Elle a l'air grave. Vous en êtes sorti indemne. Oui, Fangoria, mais nous avons failli. L'Uncarnos n'est plus. J'en suis désolé. J'ai assisté de loin, malheureusement, à la destruction de sa gondolfière. Bien. Vous étiez au courant pour le duc et par emblème? Quand je les ai vus attaquer, j'ai vu la gondolfière de Baron Blême aborder la gondolfière de Lune. Je me doutais bien qu'ils n'envisageaient pas de vous laisser les rênes de notre compagnie, mais je ne pensais pas qu'ils intenteraient une action aussi désespérée. Quoi qu'il en soit, ils ont aussi aujourd'hui été rayés de la liste des capitaines de la compagnie. Vous n'aviez pas senti cette mutinerie venir? Je savais que le duc et le baron étaient des personnes, dirons-nous, capables du pire, mais avec une force terrible, et c'est ce dont on a besoin pour les capitaines. Vous avez subi la sentence des voix. Vous savez ce à quoi vous devez résister. Il faut ingérer du caillotte pour pouvoir guider les gondolfières. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Je pressentais qu'ils n'allaient pas se laisser faire, mais je ne pensais pas qu'ils seraient capables d'intenter une action aussi drastique et violente envers l'Arpenteur des Vents. Et je ne pensais pas qu'ils seraient capables de le défaire. Écoutez, Fangoria, Lune nous a confié un certain nombre de secrets, ou en tout cas de révélations, par rapport à la cité d'Oblivion, par rapport à un certain démon qui menacerait cette cité. Quelle cité? Vous n'êtes au courant de rien? Lune ne m'a pas mis dans la confidence. Il m'a demandé de vous escorter, de vous faire passer la sentence. Tout le reste, il devait le voir avec vous. Je ne suis aujourd'hui
qu'une associée de la compagnie, mais je suis surtout la personne qui tient les comptes. Il n'a pris aucune précaution? Il ne vous a laissé aucun message pour nous? Non. Aucun coffre, aucun objet? Il vous a laissé la compagnie. Si vous voulez des objets, alors il faudra aller fouiller la gondolfière. Fangoria, est-ce que le mot matrice vous dit quelque chose? Depuis quand le baron Blême était capitaine? Plusieurs années déjà. La compagnie a 10 ans environ, il a dû arriver il y a 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans? Environ. Et vous n'avez jamais senti de tractation, de comportement suspect venant de... Lui et le duc se sont hissés à la tête de la compagnie avec moi, enfin avec moi, dans les mêmes temps. Ils ont obtenu une position de pouvoir. Je pense qu'ils espéraient pouvoir récupérer la compagnie une fois l'Eune partie. Et ils ont agi comme ça parce que vous êtes arrivé et que vous alliez prendre leur place. D'accord. Rien de plus, rien de suspect. Vous n'avez jamais entendu de conversation? Ils n'ont jamais, à ma connaissance, fomenté quoi que ce soit. À ma connaissance. Peut-être l'ont-ils fait. Mais nous voyageons chacun sur nos propres navires. Nous ne nous retrouvons que rarement, généralement une fois l'an ici, parfois en d'autres circonstances. C'est l'Eune qui gérait la compagnie dans son ensemble. Pendant la bataille, le duc est passé par-dessus bord. Vous qui étiez en bas et qui avez pu voir la scène d'en bas, est-ce que vous avez vu si le duc était tombé ou s'il avait pu se rattraper par un quelconque... J'étais beaucoup trop loin. J'ai vu des personnes tomber. Savoir si c'était le duc ou d'autres. Malheureusement, j'étais à trop grande distance. Quand on a passé la sentence des vents, pour nous accueillir des voix, pour nous accueillir, Fangoria était avec 5 nains chamans. Ouais, qui ne sont plus là. Ils sont plus là. Fangoria, les 5 nains qui vous accompagnaient pour la sentence des voix sont retournés à Icar? Ils ne vivent pas à Icar, ce sont des récolteurs. Ils récoltent le kayolt et nous aident à le distiller. Nous utilisons le kayolt pour diriger les gondolfières, mais nous l'utilisons aussi dans une forme gazeuse, afin de remplir les ballons. Très bien. C'est notre denrée la plus précieuse. J'imagine. Prenons la carriole, rentrons à Icar. La nuit commence à tomber et ce plateau n'est jamais sûr une fois le soleil parti. C'est ce que j'allais vous proposer, Fangoria. Écoutez, nous avons récupéré quelques-uns des hippogriffes de la gondolfière de l'Eune. Est-ce que vous voulez qu'on les ramène à Icar? Est-ce que vous voulez qu'on les confie à... Faites donc cela et ramenez-les au point zéro. On les ramènera donc au point zéro. Les palefreniers s'occuperont de les mettre dans leur box. Très bien. Quant à vous, eh bien, à moins que le duc ait survécu et ne soit parti avec, et si vous acceptez la charge que l'Eune désirait vous confier au sein de la compagnie, je pense qu'il est temps que la gondolfière du duc trouve de nouveaux propriétaires. Merci pour cette offre, Fangoria. Je crois que nous avons besoin de prendre un peu de repos et de nous concerter, mes compagnons et moi, afin de savoir ce que nous allons décider. Est-ce que nous pouvons nous donner rendez-vous à la Lucinose demain matin, en début de journée? À la Lucinose ou à la capitainerie, comme vous le préférez. Eh bien écoutez, peut-être à la capitainerie, ce sera plus sûr. Je préparerai les papiers en attente de votre décision. Parfait. Moi, je préfère rentrer à Icar avec sur le dos d'un des hippogriffes. Je vis très mal l'enfermement, j'ai pas envie de refaire un voyage en carriole. Est-ce que, Ilzar, avec les hippogriffes, on pourrait pas descendre à la gondole? Fier. C'est une très bonne idée, ça. Très bonne idée. Je vous déconseille de le faire maintenant. Oui, c'est nuit, vous risquez de vous attirer quelques prédateurs. C'est ce que je... Ces plateaux ne sont vraiment pas sûrs. Je me retourne et je vous dis... j'aimerais y aller demain matin. Avec l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous.
Alors, Fangoria, peut-être nous pourrions fixer notre rendez-vous en début d'après-midi. Peut-être que mes compagnons et moi irons sur les ruines du vaisseau de Lune demain matin. Je vous accompagnerai. Très bien. Après tout, il sera possible moi de... aussi, je veux voir ce qu'il reste de ces documents. Très bien. Votre présence ne sera pas de trop. Est-ce qu'il est envisageable d'y aller en gondolfière ou en chevauchant des... Avec ma gondolfière, nous... Nous irons avec votre gondolfière. Alors nous retrouverons donc à la capitainerie. Très bien. Rendez-vous demain matin à la capitainerie. Et sur ce, elle monte sur la carriole. En fait, c'est elle qui la dirige. Ah, la personne qui dirige pour... Non, là, elle a... On a pris combien de... Les hippogriffes, on en avait pas un par personne, parce qu'il y en a qui étaient deux. On est à deux sur l'hippogriffe. Moi, je suis toute seule. Je suis avec qui? J'étais avec qui? Toi, t'étais avec Valkyne, mais après, tu t'es fait rattraper par... Et t'as récupéré... Voilà. Toi, t'as mal à tort avec toi. Oui, mais c'est là, vous avez trois hippogriffes. Trois hippogriffes. Et Ravi, on a aussi un, puisqu'il est parti avec un hippogriffe. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Okay. Sans aucun problème. On les ramène au point zéro, on les confie au palefrenier et on se met un... On retourne à la Lucinose. Du point zéro, on retourne à la Lucinose. Ouais. Très bien. Ça va vous prendre... Du coup, comme vous êtes en hippogriffe, ça va vous prendre assez peu de temps puisque vous allez faire un vol d'oiseau directement jusqu'à Icar en contrebas. Le temps de revenir à la Lucinose, la nuit a vraiment... s'est vraiment installée. D'ailleurs, le ciel ne compte pas un seul nuage. Vous pouvez voir les étoiles, mais comme vous les avez rarement vues, et le ciel comme vous l'avez rarement vu, avec toute cette vue dégagée autour de vous, avec tous ces plateaux, enfin, vous avez une vue à 360 degrés quasiment autour de vous. C'est assez incroyable. Et quand vous rentrez à la Lucinose, la tenancière vous voit rentrer, elle t'avise. Ah, Seigneur Gnome, je me permets, j'ai un message pour vous. Un message pour moi? Oui, je vous laisse aviser. Ok, donc je prends ce qu'elle me donne. Moi, je m'écarte un petit peu, je lui laisse un petit peu d'espace à Ozias, mais je reste... Tu reconnais cette écriture? Je reconnais l'écriture? Ouais. Ozias. Mon cher Ozias. Je profite de l'un de ces rares instants de lucidité pour t'écrire ces quelques mots avant que l'emprise de la chose qui dévore mon âme ne soit complète sur moi. Si tu me lis, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'aurais péri ou disparu. Mais sache que je suis heureux que tu aies survécu. Tu as aperçu mes crises. Tu t'es demandé ce qu'elles pouvaient être. Je ne pouvais te dire la vérité. Quelque chose finissait de grandir en moi. Peut-être que ma force d'âme a réussi à préserver assez de mon esprit assez longtemps pour que je puisse te transmettre ceci. Peut-être est-ce le fait de t'avoir retrouvé qui a, l'espace d'un instant, permis à mon être de prendre le dessus. Je suis désolé de ne pas avoir été capable de te prévenir. Tout autant que de ce que la chose qui a pris possession de mon corps aura accompli quand tu liras ces mots. Je n'ai rien à te laisser, si ce n'est aujourd'hui le maigre héritage qui accompagne cette lettre. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu en feras bon usage. Que les esprits de nos ancêtres te préservent du mal qui t'attend, car il est immense. La douleur revient. La chose s'éveille. Demain, nous passerons les épreuves et mon esprit ne sera plus. Je ne subsisterai plus alors que dans le souvenir que tu auras encore de moi. Adieu, mon enfant. Et n'oublie jamais ce que je t'ai toujours dit. Il n'est pas de meilleure famille que celle que l'on se crée, ni de plus fidèle. Plus fidèle encore que le sang. Prends soin de tes amis.
chéris-les, et que les esprits de nos ancêtres veillent sur toi, Akmar. Je ferme le... la lettre que je glisse dans ma veste et j'ouvre du coup ce qu'Akmar m'a laissé. Un jeu de cartes. Alors je continue à faire glisser les cartes en cherchant peut-être un indice, quelque chose, un mot qui serait inscrit dessus, une trace quelconque. Est-ce que je reconnais ce jeu de cartes? Est-ce que ça me parle? Mais t'as juste la sensation que sur chaque carte... Ouais. Les figures sont presque légèrement mouvantes, comme si quelque chose, oui, comme si c'était une image comme ça qui flottait un peu au-dessus des cartes. D'accord. Est-ce que je ressens quelque chose de néfaste ou de magique qui pourrait être enfin ouais, néfaste pour moi, quelque chose qui soit un peu malveillant ou... Non, t'as pas l'impression, c'est juste fascinant. D'accord. Ok. Tu sais que... Alors toi, tu n'as pas un sort qui te permettrait de le savoir, mais que certains sont capables de déterminer exactement, puisque effectivement, il y a quelque chose d'un peu magique dedans. Ces images un peu mouvantes, étranges. Certains sont capables de déterminer ce qu'est exactement cet objet. Certains parmi nous Peut-être. Techniquement, il faut un sort de détection de la magie. Ouais. Mais tout va bien, Ozias. Tu as l'air particulièrement touché par son message. Akmar savait qu'il ne survivrait pas. Je suis désolé, mon ami. Tes mots tout à l'heure m'ont beaucoup touché. J'ai moi aussi perdu des gens très chers pour moi, et je sais quelle peine ça peut être. Tu peux compter sur moi pour prendre la route à tes côtés. Je suis plein de questions depuis les événements de tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui nous attend, je ne sais pas... Si cette quête rejoint la mienne, je ne sais pas encore, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul sur tout ça, mais... Tes mots résonnent encore en moi et ont un écho particulier. Je ne sais pas ce que cela veut dire, je vous avoue, mes amis, être un peu perdu. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Et là, je le tends, en fait, simplement sans répondre à Ilzar, pour qu'il voit ce que j'avais dans les mains et ce qu'Akmar m'a offert, mais je dis rien, en fait, je suis un peu... Enfin, je suis encore une fois sonné, évidemment, par tout ce qui s'est passé, évidemment attristé, et puis c'est surtout que je repense à ma province, à ma famille, au travail du bois, à cette famille qui est toujours ancrée dans la terre et à moi qui suis là aujourd'hui avec cette mission que je ne saisis pas vraiment. J'ai un peu du mal à... Et donc tout est un peu brouillé, donc j'arrive plus trop à parler en fait. Donc je tends juste le jeu et puis je reste à côté mais je dis plus rien en posant la main sur... ma veste et puis en essayant de comprendre mais sans vraiment parvenir quoi. C'est Akmar qui t'a laissé ce jeu de cartes? Est-ce que cela a une signification pour toi?
Ces cartes ont l'air étranges. Moi, du coup, Darknack est quand même plutôt pas... pas montré ses émotions. Du coup, le fait d'avoir entendu Ozias avant et de le voir là avec sa lettre, ça lui rappelle pas mal de choses, mais elle s'est laissée un peu submergée par les émotions. Et du coup, elle sait pas trop comment faire, mais elle essaie juste de venir sur Ozias. Elle sait pas trop comment faire. Voilà. Moi, je m'approche d'Ozias, je le regarde intensément et je lui dis que je comprends ce sentiment, que je suis moi aussi passée par là et que vous pouvez compter sur moi pour l'accompagner dans cette quête. Que moi aussi, je commence à y trouver des réponses qui pourraient correspondre à ma quête personnelle et que toi, comme les autres du groupe, chacun d'entre vous, vous pouvez compter sur moi. Je mettrai toutes mes compétences et ma loyauté au service de notre quête commune. Merci, l'héroïne. Yelfrine ? Je suis désolé pour toi, bonhomme. Vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, ces fils de ghouls, nous le paierons. Bien sûr, Ilsa, je reste avec vous. L'émotion. Fils de boule. Ah, l'expression, elle est bien. Toi, Ilsar, tu... Tu sais pas pourquoi. Tu as la sensation que tu as besoin d'aller te coucher. Les amis, ce jeu semble très particulier, Ozias. Les amis, je me sens particulièrement las. Je crois qu'il faut que j'aille me reposer un petit peu. Je vais rapidement me restaurer et aller dans ma chambre. Donnons-nous rendez-vous demain matin pour aller à la capitainerie et que cette nuit nous apporte repos et conseils. À demain. Tout va bien, Ilsar? Oui. Sens un peu, comme je te le dis, un peu las. J'ai besoin de me reposer. Du coup, moi je trouve ça un peu étrange. Peut-être que moi je fais le lien entre les cartes et ce qui vient de se passer. Peut-être Darkna, elle commence à être un peu inquiète, parce que mine de rien, même si elle charrie toujours le paladin, elle est un peu inquiète pour Ilsar. Et du coup, elle demande à Ozias si elle peut regarder le jeu. Mm-hmm. Ozias, est-ce que je peux t'emprunter ? Du coup, elle regarde les cartes. Même chose qu'Ozias, c'est-à-dire tu es donc Ilsar, pour le coup, tu vois ces figures qui sont très légèrement mouvantes. Effectivement, ce jeu est très certainement magique. Il y a de la magie à l'intérieur. Mais alors, de là à dire ce que c'est. Moi, je me rapproche de Darkna pour également examiner le jeu. Tu sautes à côté. Et au moment où tu te rapproches et tu poses les yeux sur ce jeu, tout à coup, tu sens une légère brûlure qui commence à s'intensifier. Quelque part. Il l'a dans les mains, je lui... Non, il l'a pas, non, dans, il les l'a mains, pas dans les mains, mais tu as l'impression que ouais, tu as quelque chose qui est en train de pulser à l'intérieur, et puis ça s'efface. Yelfrine, tout va bien? Oui, je dois être un petit peu fatigué. Est-ce que je peux faire un test de d'histoire? Pour par rapport au jeu? Ou ça serait plutôt arcane. Arcane? Plutôt arcane, ouais. Donc, des 20. Yep. 10. Attends. Dans intelligence. Plus 1, ça fait 11.
Le... Alors, le jeu en soi ne te dit rien, mais effectivement, tu as déjà entendu parler de jeux de cartes enchantés. Mmh. Certains sont extrêmement puissants. D'autres un peu moins. C'est pas quelque chose d'extrêmement courant, en tout cas. C'est même plutôt quelque chose de précieux. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à quelque chose de maléfique ou de mauvais. C'est juste, effectivement, un objet dont tu as déjà entendu parler. Mmh. Est-ce que moi un aussi, type d'objet. Moi aussi, je peux faire un test Oui, bien sûr. Ça fait 18. Et de ton côté, oui, pareil en fait, t'en as déjà entendu parler, tu sais ce que c'est, mais de ton côté, tu penses que c'est pas, enfin, ça ressemble pas à ce qu'on t'a dit concernant certains jeux qui sont extrêmement puissants. Peut-être que c'est un petit objet merveilleux ou quelque chose comme ça qui a des effets que tu ne saurais déterminer sans utiliser un sort de détection de la magie. Mmh. Mais voilà. Moi, par pure curiosité, je demande si je peux aussi regarder l'objet. Osias, est-ce que je peux également? Et tu verras la même chose, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a des figures un peu mouvantes. Donc je vois ça aussi. Ouais. Et je ne perçois rien d'autre. Non. Merci beaucoup. Que faites-vous du coup? Est-ce que vous allez vous coucher ou est-ce que vous avez un truc à faire? Ouais. Okay. Mmh, ouais. Je pense qu'on va aller se coucher. On va manger et dormir, oui. Ok. Ilzar. On se réveille? Ah non. Ah non. Oh là là. Alors que tu es allé te coucher, tu commences à t'endormir sur ta couche, dans ta chambre. Tout à coup, tu entends des sanglots. Ok, j'entends des sanglots. Ouais, ça résonne dans ta chambre. Ça résonne dans ma chambre. Dans la chambre. Mmh. On est chacun ouais, dans une dans chambre. Oui, on a une chambre chacun. Chambre. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Elles sont les unes à côté des autres ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on n'entend pas, nous. Hein. Non. Je me lève. Et tu... J'essaie de me rapprocher d'un mur d'un côté et tout à coup, tu aperçois qu'il apparaît dans une espèce de nuage de fumée la forme d'une jeune femme qui a les larmes qui coulent, légèrement translucides, et les larmes qui coulent le long de ses joues, qui te regardent. Je lance tout de suite l'œil d'Elmire, mon sens divin. Que s'ouvre l'œil sacré d'Elmire. Tu lances ton sens divin, ton troisième œil s'ouvre, mais tu ne détectes rien. Et tu vois juste cette jeune femme qui approche sa main de ta poitrine et qui la pose. Et au moment où elle la pose, d'un coup tu as l'impression que... T'as l'impression d'être littéralement soulevé du sol, comme si tu partais en lévitation, porté par ta poitrine qui se gonfle comme si elle te tirait. Et tu vois une espèce de nuage comme ça qui commence à t'entourer, de nuages noirs. Elle-même se fond à l'intérieur de ce nuage. Et tu réalises, au fond de ton esprit, t'entends pas de voix, t'entends rien. Mais tu réalises juste au fond de toi que tu es entré en communion avec un esprit extrêmement puissant. L'esprit d'une épée à deux mains, faite de nuit. Tu connais son nom. Elle s'appelle Nocturne. Et pendant un temps qui te semble... pendant un temps qui te semble infini, tu as l'impression tu as presque l'impression de former un couple avec cet esprit-là. Tu as l'impression qu'il pénètre ton âme, qu'il devient toi, qu'il devient ton complément, qu'il devient ton autre toi. Mmh. Quelque chose d'extrêmement intime jusqu'à retomber dans ta couche.
et tu entends juste un murmure qui te dit « Demain, dormez avec tout ce que vous pouvez. » Mais demain quoi ? Dormez avec tout ce que vous pouvez. Et pff, tu te réveilles. Mm-hmm. Le matin est arrivé. Oh, nouvelle carte. Le matin est arrivé, vous vous réveillez. T'as très très bien dormi. Tu as extrêmement bien dormi. Bon, la nuit a été un petit peu plus difficile pour toi. T'as eu beaucoup de mal à t'endormir. T'as tourné, retourné, forcément, ça tourne dans ta tête. Et puis tu sens un truc vis-à-vis de ce jeu. T'as l'impression que quelque chose t'appelle dedans. Tu ne sais pas quoi. Quelque chose t'appelle. Toi, quand tu te réveilles, tu vas pour prendre tes vêtements et tu aperçois une petite marque sur le haut de ta main. Comme une... on dirait une tache de naissance. Qui te dit quelque chose. Et qui est apparue cette nuit-là. Vous vous retrouvez dans la salle de la Lucinose. En bas, oui. Que faites-vous ? Juste, est-ce que moi, je peux modifier un sort ? Parce qu'on est au petit matin. Oui, tu peux modifier un sort, ouais. Il faut que je te dise Tu me dis que tu as préparé un autre sort. J'ai préparé un autre sort, détection de la magie. Très bien. Et du coup, il faut que j'enlève un ancien sort. Exactement. Voilà, donc j'enlève nappe de brouillard. Ok. Au petit matin. Ça va, Ozias ? Tu as pu te reposer ? Oui. Oui, oui. Puis, évidemment, je mens parce que je suis fatigué et que, en fait, je décroche pas mes yeux de ce jeu, quoi. Et je vois ces images qui bougent avec un guerrier, une sorte de chevalier. De coq là, de faucheuse, toutes ces images qui bougent comme ça, et j'arrive pas à décrocher de ça. Donc je mange même pas pour l'instant, j'ai pas faim, je sais pas, je reste focalisé là-dessus. Donc moi donc on est d'accord, on est tous dans le hall. Ouais. Hein, on est tous descendus. Je regarde Ozias qui est en train de regarder son jeu. Je me rapproche de lui. Je passe un peu derrière comme ça, je jette un petit coup d'œil sur le jeu par derrière. Et là, à nouveau, je ressens encore cette petite sensation de... Non. De... Non, je la sens pas assez. Non, tu l'as senti, cette nuit, et c'est tout. Et enfin, cette sensation que je connais bien fait que, comme elle a été provoquée en présence de jeu, je me tiens un petit peu à l'écart du bonhomme avec ses cartes. Très bien. Ok. Moi, je demande à Ozias si je peux à nouveau prendre son jeu dans mes mains et utiliser mon sort de détection de la magie. Et Ozias, est-ce que je peux à nouveau t'emprunter ton jeu pour essayer de détecter quelque chose ? Et moi, du coup, je continue à faire tourner les cartes, jeux que j'ai rangés par couleur, mais encore une fois, je rebats les cartes, j'essaye de comprendre comment, surtout qu'en plus, c'est un jeu qui est incomplet. Donc, du coup, j'arrive pas à faire de lien et machinalement, sans forcément répondre, je tends le jeu à Darkna et je reste là, quoi. C'est un sort qui me demande de la concentration. Ouais, mais ça a peu d'incidence. Très bien, donc... Du coup, je me concentre et je lance le sort.
Et effectivement, tu lances ton sort, tu passes un petit moment à examiner les cartes. C'est effectivement un objet magique. Ce sont des cartes qui semblent contenir chacune d'entre elles deux choses, en fait, deux composantes. La première composante, c'est une illusion. Et la deuxième composante, c'est une... En fait, c'est comme si la carte était la composante de sa propre illusion, c'est-à-dire que tu penses qu'elle sera consumée à chaque fois qu'elle sera utilisée. Mmh. Chaque carte sera consumée à chaque fois qu'on l'utilisera. Définitivement. Ouais. Vas-y. D'où le fait d'être incomplet. Du coup, on considère qu'elle m'a, elle m'a fait part de... Si, je pense. Oui. D'accord. Tu fais part de ce que j'ai ressenti. D'accord. Moi, je me rapproche de Darkna et j'essaie de lui demander ce qu'elle a perçu. Darkna, qu'est-ce que tu as reconnu dans ce jeu de cartes ? J'ai l'impression que ces cartes ne sont pas si maléfiques que ça. Il y a comme une illusion au départ. Peut-être que chaque carte correspond à... qu'on pourrait utiliser chaque carte, mais qu'une fois utilisée, ces cartes se consument. Définitivement. Et on les utiliserait comment, ces cartes ? Ça, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Est-ce que ça te parle, Ozias ? Moi, désormais, je le sais. C'est un jeu de cartes fait de parchemin. Et comme tu l'as compris, ces cartes peuvent littéralement... prendre forme lorsqu'elles sont lancées. D'où le fait que ce jeu soit incomplet et qu'il ait sûrement été utilisé par Akmar. Mais pour l'instant, alors est-ce que moi là, je parce que j'ai pas encore pris connaissance de tout, hein, donc c'est pour ça que... mais est-ce que lui, du coup, pour lui c'est très clair la manière de l'utiliser déjà? Est-ce qu'il sait, il se dit voilà... Je sais. Pour lui, c'est très simple en fait. C'est un jeu que tu tires une carte au hasard. Tu ne peux que le faire au hasard. Tu peux donc pas au le hasard. Choisir. Voilà, ok. Et en fait, chaque carte génère une illusion. Tu lances la carte. En fait, l'illusion est générée sur la carte. Et une fois que l'illusion est terminée, la carte se consume. D'accord. Elle disparaît. Quand tu dis, pardon, juste pour quand tu dis que l'illusion est générée sur la carte. Ouais, au-dessus de la carte. C'est le point de départ de l'illusion. D'accord. Ah oui, donc ça prend vraiment au-dessus, voilà. Forme au-dessus, d'accord. Taille réelle, en fonction de ce qu'il y a sur la... Taille réelle. Chaque carte correspond à une illusion. Mais donc pour les cartes qui n'ont pas de figure, pour un 2 par exemple... En fait, il y a une liste... Ouais, j'ai une liste du coup pour ça. Et donc, ok, donc bon, voilà. Faut que je prenne connaissance un peu de tout ça, mais en gros, pour Ozias, c'est clair et il sait ce que ça peut... Maintenant, il sait ce que ça peut générer. Ce qu'elle lui a dit, en fait, lui rappelle exactement de quoi il peut s'agir. D'accord. En sachant que ce ne sont que des illusions. Exactement. C'est pas tangible. Voilà. Donc, ce ne sont pas des cartes qui permettent d'attaquer ou qui ont des actions propres. Mais du coup, ça veut dire qu'aussi, on peut s'apercevoir, par exemple, un ennemi ou quoi, peut s'apercevoir que ce n'est qu'une illusion. C'est ça. Mais ça permet de faire peur, de distraire, de... Enfin, voilà. Est-ce que moi, je pourrais faire en prendre une, l'examiner et refaire un test d'arcane? Ça changera rien. Ça ne changera rien. Non. Un seul test par situation. D'accord. Okay. Pendant que vous êtes en train de discuter, Malathor vient vous voir. Mmh. Ouais. Mes amis, il semble que quelque chose de terrible nous attende. Et je dois prévenir mon culte et les miens. Nous devons nous préparer à la potentielle venue de l'écorcheuse. Je vais donc devoir rentrer en Antéon. Mais nous nous retrouverons. Pour sûr. Très bien, Malathor. Dès aujourd'hui ? Dès aujourd'hui.
avec ce que nous avons vécu, avec cette chose qui est sortie du corps de Dakmar, il me fait dire que le risque est grand même ici. Je pensais que tout était confiné à Oblivion, mais en fait, ils ont des moyens d'agir ici. Nous devons absolument prévenir Justicar, l'Empire et tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, Manhattan. C'est une bonne idée. Je récupère. Excusez-moi. Voilà. Je n'en ai pas parlé à mon père, mais je sais que vous allez devenir des capitaines ou quelque chose comme ça. J'aimerais... Eh bien, maintenant, il est temps pour moi de faire mes preuves. J'aimerais vous accompagner en tant qu'écuyer, si cela vous sied. Je resterai en arrière, je m'occuperai de vos affaires, je m'occuperai des bêtes, je resterai sur la gondolfière. Mais il est temps pour moi d'apprendre et... Père, je suis désolé de vous dire ça, mais mon père est par trop protecteur envers moi. Et il ne me laissera pas apprendre par moi-même. Je ne prendrai aucun risque. Je ne serai pas une épine dans votre pied. Je vous demande d'accepter mon service. Moi, je m'approche d'Ilzar et je lui murmure que je pense que c'est pas du tout une bonne idée d'emmener Valkyn. Un enfant n'a rien à faire dans ce genre de quête. Moi, je le regarde et je lui souris. Et... juste pour lui dire que moi, en gros, moi, je suis d'accord. Valkyn, est-ce que tu as conscience que nous allons face à un danger terrible ? J'ai l'âge d'un écuyer, Seigneur Ilzar. J'ai l'âge d'un écuyer. Beaucoup de mes camarades assurent déjà cette fonction dans le culte de Justicar et partent en mission avec des paladins dans des missions tout aussi dangereuses que la vôtre. Et la gondolfière sera un endroit sûr pour moi. J'ai déjà survécu une fois. Je pense que je peux encore survivre. On a déjà toute une équipe à protéger. Malator, qu'en penses-tu ? Il souffle. Valkyn a raison sur un point. Il a l'âge d'être écuyer. Mais c'est mon fils et j'ai du mal à l'imaginer prendre ces risques, mais c'est votre décision. Il a raison, c'est à lui de prendre les décisions concernant sa vie et ce qu'il veut devenir. Je ne peux pas l'enfermer et le protéger jusqu'au bout. Galfrin ? Moi, je me rapproche de Valkyn, qui est plus grand que moi, on est d'accord ? Ouais. Donc je le regarde un petit peu comme ça, et je lui dis... Hey, tu sais manier quoi comme arme, bonhomme ? J'ai déjà commencé à apprendre à manier l'épée, et surtout, je sais très bien m'organiser. Je fais les pactages, j'entretiens les bêtes, je fais le ménage, bref, je fais tout ce qu'un écuyer doit faire. Mm-hmm. Je prends soin de vos vêtements et de votre équipement, et vous n'aurez juste qu'à faire ce que vous avez à faire sans vous préoccuper, eh bien, de tout le reste. C'est quand même une bouche en plus à nourrir, hein. Et une comme je suis un petit, nous nourrir. Comme je suis un petit peu d'humeur chafouin. Tu veux le manger ? Je sors une de mes dagues que je fais tourner dans la main. Et je dis, tiens, bonhomme, est-ce que tu serais capable de lancer cette dague sur la porte que tu vois là-bas ? Il la prend, il la soupèse. Tu vois qu'il a déjà quand même tenu, ouais. Il a déjà tenu une arme. Il la soupèse. Il fait un 20. Oh. Wow. Et en fait, il prend la dague comme ça et il, de toutes ses forces, il la lance et il la plante dans la porte et elle va se planter sur 6 cm. D'accord. Et là, il va la chercher ? Et après, il va la chercher. Et au moment où il va la chercher, j'en prends une autre, je la fais tourner, et je la jette vers lui, en fait. Fais-moi un jet d'attaque. Oh, ne le rate pas. S'il te plaît. S'il te plaît.
16. Ouais. Et elle va se planter à côté de la dague qu'il a plantée. Et il sursaute un coup. Je sens qu'il l'a perçu. Je sens qu'il l'a perçu. Il sursaute parce qu'il est surpris que je le fasse. Oui. Mais je sens que ça a fait. Et un peu surpris que j'ai fait ça. Et là, je le regarde, je fais. Ok, bonhomme, tu viens avec nous. Mes deux dagues, s'il te plaît. Il prend les deux dagues. Donc on n'est pas tous. Je serai votre écuyer, monsieur. Très bien. Ilzar, t'as pas donné ton avis? Pour moi, c'est bon. Mesdames, Darkna et moi. Toutes les deux contre. Ouais. Ozzy et Gelfrin semblent pour. Malator, je suis ton frère d'armes. Nous veillerons sur ton fils. Tu peux avoir confiance en nous. Il te tend la main. Et te prend par l'avant-bras. Valkyne. Prends soin d'eux. Ils vont en avoir besoin. Quant à vous, il est temps que je vous dise au revoir. Nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons bientôt. Je l'espère, Malator. Merci pour ton aide. Et il prend ses affaires et quitte l'auberge. Alors, je vais passer assez rapidement sur la suite de la journée. Parce qu'en fait, ça va être assez simple. Vous allez vous rendre à la capitainerie. Fangoria va vous emmener en gondolfière jusqu'au reste de la gondolfière de l'Arpenteur. Il en reste vraiment pas grand-chose. Vous allez juste arriver à récupérer, en fait, un espèce de coffre qui contient tous les papiers administratifs de la compagnie, qui a un énorme coffre en métal scellé, enfin un truc assez lourd et résistant. Toutes les œuvres d'art ont été brisées dans la chute, enfin tout le... Il n'y a aucun moyen de regarder les œuvres d'art, de faire un petit jet de test d'histoire. Ça a à moitié brûlé, enfin c'est... Ah ouais. Oui, ça a été redoutable. De toute façon, l'action d'Ilzar de péter le ballon a été redoutable, et en plus l'explosion derrière a fini de mettre le feu au truc, etc. Et ce qui a sauvé en fait ces papiers, c'est ce coffre qui était massif, métallique, protégé, scellé, et qui en plus a eu la chance de tomber un peu en arrière, donc de pas trop subir, même s'il a un peu de roussi dessus. Dans ce coffre, il n'y a rien d'autre que des papiers? Non, c'est juste les papiers de la compagnie en fait, c'est tous les justificatifs, les laissez-passer, les adresses de comptoir, tous les contrats négociés, voilà. Quand on fouille, est-ce qu'on ne chercherait pas une cachette secrète ou quelque chose de plus... Ah mais il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, ce sont des décombres. Il faut imaginer un avion qui s'est crashé depuis... même depuis une basse altitude, quoi. Mais un avion qui s'est crashé. Ouais. Vous étiez en altitude, hein, vous étiez en train de voler, le truc s'est crashé, c'est du bois. Ça a beau être résistant, ça a éclaté, ça a cramé, quoi. Donc, on est d'accord que Fangoria, Lankarnos vivait sur son palais? Oui. Est-ce qu'il avait un bureau, la capitainerie, ou un endroit où il stockait des affaires? Tout était sur sa gondolfière. Donc, tout ce qu'il reste, entre guillemets, de Lankarnos, c'est ce coffret? C'est cela. Et l'épée qu'il semble vous avoir léguée? Exactement. J'ai récupéré l'épée de Leun. Et à ce propos, il faudra que je vous confie quelque chose plus tard. J'essaye de moins de... Je prends justement Valkyne avec moi et on essaye juste... pas, c'est pas la quête de notre vie, mais on essaie de voir si on récupère mon trident ou pas. Fais-moi un test de... d'investigation, intelligence-investigation. Où pourrait être cette matrice? 12. Tu vas pas retrouver ton trident, il s'est perdu, il s'est paumé. Donc je finis, je passe assez rapidement sur la journée parce qu'en fait elle va être assez... Enfin il y a plein de choses mais en même temps c'est pas forcément intéressant de les jouer. D'accord. Puisqu'en fait... Alors Fangoria va vous demander quelle est votre décision, est-ce que vous prenez part à la compagnie ou pas? Est-ce que vous acceptez cette gondolfière ou pas? C'est ça qu'on n'a pas réfléchi hier soir. Ce qui vous permettra de... Alors elle vous fait un peu le topo, ça vous permettra d'avoir un équipage, d'avoir un moyen de transport volant. Mais en même temps, ça vous donne quand même des responsabilités vis-à-vis de la compagnie et ça vous permettra surtout d'avoir une rentrée d'argent. Ah ouais. Et par contre, on est
On est obligé d'assurer des livraisons, on a des contraintes. Faut imaginer que vous devenez des armateurs, en fait. Si tu veux. Donc c'est, vous n'êtes pas obligé d'assurer des livraisons, mais vous êtes effectivement, par contre, vous êtes à la base et à la tête d'une entreprise qui affrète des navires pour faire des livraisons. Et vous aurez votre propre gondolfière, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sera comme l'Eune avait une gondolfière qui sert de base administrative, ou est-ce que ça sera on ne sera pas forcément obligé de faire de la livraison, ce que tu entends. Après, l'Eune, par exemple, ce qu'elle voulait vous expliquer, c'est que l'Eune, lui, il cherchait surtout des nouveaux comptoirs avec lesquels créer des routes. Ah, il démarchait, d'accord, il allait chercher. Plus, voilà. Il voyageait, il trouvait de nouveaux lieux, il négociait des trucs, il explorait le monde. Il faisait pas de la livraison, par exemple. C'est le siège social de la compagnie. C'est un peu ça, ouais. Mais donc c'est à nous de reprendre aussi cette activité-là. C'est lui qui file les tickets resto, quoi. Fangoria, est-ce que tu nous donnes quelques instants, s'il te plaît, pour que nous parlions tous les six, hein? Bien sûr. Juste question, est-ce que Ravi est toujours avec nous? Oui, j'allais poser la même question. Ravi. Ravi part avec Malator, en fait. Ravi, Ravi. On n'a pas pris le temps de le remercier, surtout de nous avoir trouvé l'issue de son problème. Ravi, merci beaucoup de nous avoir sortis de cette gondolfière. Quelque peu. C'est un plaisir. Hostile. Ok, ouais. Donc on a vraiment 5 plus Valkyrie. On a 6 avec Valkyrie. Okay. Réunion au sommet. Bon. Les amis, on n'a pas pris le temps forcément de rediscuter de tout ça. Comme je le disais à Ozias hier soir, personnellement, je suis en quête à travers ce monde depuis quelques années. Pour tout vous confier, mon père est mort quand j'étais jeune, et ma mère et ma sœur ont disparu il y a quelques années. Depuis que je suis paladin et depuis que mon maître m'a permis de retourner dans le monde, je traverse Pangée au service de la justice et de la justesse pour aider les plus pauvres, mais j'ai à cœur de retrouver ces deux êtres chers. L'Eune nous a dit que nous étions des enfants d'Oblivion. Je me dis que peut-être qu'en trouvant Oblivion, je pourrais retrouver enfin ma mère et ma sœur. Peut-être que cette quête se confond avec la mienne. Donc j'accepte cette charge, et en tout cas les dangers qui vont avec. Pour ce qui est de la compagnie, l'Eune nous a parlé hier de la Matrice, a priori, qui pourrait nous aider à trouver les différents éléments de la clé. Si sa gondolfière lui permettait d'aller de comptoir en comptoir et d'explorer Pangée, peut-être un moyen rapide et efficace de partir en quête de la clé. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Je partage l'avis d'Ilzar. Je partage ton avis aussi, et j'ai moi-même, dans ma quête personnelle, je suis aussi à la recherche de personnes disparues. Et je me dis aussi que peut-être Oblivion pourrait être la clé, avec un petit doute quand même. Ayant vu Akmar revenir d'une disparition, j'ai peur de revoir revenir les miens sous une forme possédée ou infectée. J'avoue que cette pensée me traverse et m'effraie moi aussi. Mais c'est ce qui a toujours guidé mes pas. Et du coup, je suis avec vous là-dedans. Et donc, reprendre cette compagnie pourrait effectivement nous aider dans cette quête-là. Aussi, à aller chercher du côté des artefacts nains. Oui, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on pourrait refaire un petit tour à l'acrobale. Oui, avant de nous engager et de partir avec notre gondolfière, essayer de finir l'investigation sur place. Je suis d'accord avec toi. Darkna. Moi, du coup, quand il explique l'histoire sur sa mère et sa sœur, du coup, ça me fait écho, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions pour Darkna, donc elle essaie de tenir un peu la barre. Pour pas trop montrer, voilà. Et elle regarde Ilzar et elle dit « Je te suis, paladin. » Très bien. Moi, encore une fois, je le regarde et puis je souris juste en disant « Tu connais déjà ma réponse. »
Et puis je fais un petit coup de coude à Valkyne, et puis je le regarde avec un petit clin d'œil, juste pour dire évidemment. Fangoria, nous acceptons cette mission. Nous voulons bien reprendre les rênes de la Compagnie des Vents. Et comme l'un, nous prendrons une gondolfière pour aller de comptoir en comptoir afin d'essayer de tisser de nouvelles relations commerciales. J'en suis ravi. Quant à moi, je resterai ici. Si vous me le permettez, je m'occuperai d'administrer et de valider la transmission auprès des autorités impériales. Eh bien, je pense que vous pouvez prendre possession de la gondolfière du duc, qui semble n'être pas revenu, et son équipage ayant déserté. Nous mettrons à votre service quelques gardes de la compagnie qui serviront d'aéromarins pour vous. Sa gondolfière est stationnée au point zéro. Vous pouvez vous l'approprier, elle est à vous. Il y a de la place pour nous tous. Bien sûr. Valkyne, est-ce que tu sais t'occuper d'hippogriffe ? Oh, j'apprendrai. J'apprendrai. Je suis là pour ça. Sur ce, messieurs, j'ai beaucoup de travail. Je dois formaliser tous les papiers, vous officialisant comme étant à la tête de la compagnie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi d'avoir de nouveaux arpenteurs des vents avec moi. Parfait, Fangoria. Écoutez, c'est une bonne chose que nous retournions au point zéro. Nous avons encore quelques affaires à y faire. Donc, mettons-nous en route. Et sur ce, nous arrêtons là, sur cette partie. La suite au prochain épisode. Oh là là, j'étais à donf, là, j'allais... Ouais, bravo, merci. Allez, bravo. Merci. À la semaine prochaine. Bye.